Merci de nous rejoindre sur LMBC TV, priorité au direct depuis le magnifique jardin du Tabor à Beaubassin. Nous allons vivre dans un instant la messe en clôture de la fête des vocations. La journée a débuté à 11h et nous nous préparons maintenant à l'Eucharistie, la célébration de la messe. Eucharistie, vous le savez, en grec, ça veut dire merci, dire merci. Il y a beaucoup de raisons d'exprimer notre reconnaissance en ce 2 août. D'abord, la joie de se retrouver en église pour le premier rassemblement diocésain depuis le déconfinement, avec un temps qui est quand même très clément, il faut le dire. Alors l'occasion aussi de rendre grâce pour les 4 prêtres jubilaires parmi le cardinal Maurice Piat qui fête ses 50 ans de prêtrise. Nous rendrons grâce aussi pour les vocations futures. C'est d'ailleurs le thème de cette fête des vocations avec, il faut le dire, une bonne participation des fidèles comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, nous allons aussi prier pour le pays qui a beaucoup de défis à relever avec ce contexte nouveau. Nous sommes donc en train d'affronter une pandémie et ses conséquences. Nous allons confier ce pays que nous aimons tous au Seigneur. Alors, tout de suite, la Sainte Messe présidée par le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis. Don zut, manze zut mem. Frère Exer, c'est avec ça l'invitation là qu'Izézi peut invite nous pour nous rendre dans nos célébrations. Célébrations que Zézi lui-même pour nourrir nous et qu'en même temps donne-nous capacité pour nourrir nos bons frères Exer qui gagnent faim. Nous, pour rendre grâce, pour jubiler, sacerdotal, nous l'évêque, et que trois les autres, mon père, Père Gérard Sullivan, Père Eddy Kousnapen, Père Silvio Ledoïska. Nous vous prier aussi, pendant cette messe-là, pour qui les autres zen, capables tant ça l'appelle, Jésus, pour nourrir, peuple bon Dieu. À nous vraiment, sente-nous la joie, chanter, prier, célébrer le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde, chantons tous ensemble. Priez, célébrez le Seigneur.
Voilà donc cette belle image du Tabor, jardin comble en cette fête des vocations qui voit aussi la célébration des quatre jubilés. Monseigneur Piat perçut les 25 ans de prêtrise, ainsi que Eddie Kusnapen et Sylvie Lodoska qui fête de leur côté 25 ans de sacerdoce. La fête des vocations, c'est aussi confier au Seigneur les futures vocations et lever des fonds pour soutenir les séminaristes. Ils sont 7. Petite farine, petite pluie sur le Tabor, signe de la bénédiction du Seigneur. Le thème de cette messe, c'est rendre grâce pour les jubilaires. Priez pour de nouvelles vocations, donnez-leur vous-même à manger. Nous sommes au Tabor pour la fête des vocations. Préparons-nous à vivre cette sainte messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, quelle merveille d'être réunis pour la première fois depuis ce confinement et de pouvoir célébrer comme nous avons dit ensemble. Quand je vous regarde, je dis un grand merci à Dieu de nous avoir donné cette église pour célébrer ensemble. Alors, avec une grande reconnaissance pour l'appel de Gérard, de Silvio, d'Eddie, de moi-même, mais aussi de tous ceux qui n'ont pas de chiffre rond à leur anniversaire, mais eux aussi ils ont été ordonnés, eux aussi ils ont été choisis. On va rendre grâce pour tout le monde. Dans cette action de grâce, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Et avec une grande confiance, demandons-lui de nous pardonner nos péchés. Miséricorde, Seigneur, manifestez de miséricorde dans mon calvaire. Thank you.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec une grande reconnaissance pour ce pardon que nous recevons, à nous chante ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Dieu au ciel et aux hommes qui l'aiment. Prions ensemble. Tu veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au sacerdoce de ton Fils, et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier, de le conduire, de le nourrir et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à ceux-là dont tu as fait tes prêtres la grâce d'être fidèles à leur mission. Que par leur ministère, leur service et toute leur vie, ils aident les hommes et les femmes et servent ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur va nous parler à travers sa parole. Nous préparons-nous. Prépare-nous les cœurs pour nous écouter. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. C'était David Chung qui est séminariste.
pour le psaume. Les seigneurs pros, ou tout dimoun qui appelle lui. Les seigneurs pros, ou tout dimoun qui appelle lui. Les seigneurs pros, ou tout dimoun qui appelle lui. Les seigneurs pros, ou tout dimoun qui appelle lui. Les seigneurs pros, ou tout dimoun qui appelle lui. Les seigneurs remplis avec tendresse, remplis avec miséricorde. Il prend le temps pour faire colère et lui remplit l'amour. Les seigneurs prospèrent tout dimoun. Prends le temps pour faire colère et l'y remplit avec l'amour. Le Seigneur bon pour tout du monde, saute en tresse l'eau tout qui chose qu'il y fin créer. Séquence quand saute bizarre. De ouvert de la mer, de donne sa quête, c'est qu'il est bizarre. Seigneur, nous bien droite, tu sais qu'il faut faire bien, bien bon. Le Seigneur pousse à tout du monde qui appelle lui avec sincérité. À nous écoute l'aide qui Saint Paul fin envoyer ban Romain. Mon ban frère, sœur, qui sont là capables séparer nous en l'amour de Christ? Est-ce que la souffrance capable faire ça? Ou bien l'angoisse, persécution, famine, la misère, danger ou bien la mort? Non. Mais dans tout ça là, nous-mêmes plus grands vainqueurs, à travers sa haine qui fin compte en nous là. Oui, moi la conviction que ni la mort, ni la vie, ni ban onze, ni les autres pouvoirs dans les ciels, ni les temps présents, ni l'avenir, ni ban la fosse là-haut, ni ban la fosse en bas, ni aucune autre qui te sauce dans création,
Non, n'y est pas capable, c'est par nous, oh l'amour qui bon Dieu en a pour nous, dans Jésus-Christ, nous Seigneur. Sa même parole qui les Seigneurs peut dire. Merci, bon Dieu, pour ta parole. Alléluia de l'Esprit dans le cœur de la lumière. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, c'est le diacre Josian Labonté qui va proclamer l'évangile. Avant, c'était Sœur Solange Perrault. La fête des vocations en ce dimanche 2 août, au Tabor. Le Seigneur avec vous. Et avec toi aussi. L'évangile Jésus-Christ d'après saint Matthieu. Toi, Seigneur Jésus. Jésus prend une pirogue, il y a le tout seul dans un endroit désert. Les la foule tansa. Je quitte la ville et je galope pour Alzwenli. Léa débarque à terre, il trouve un grand la foule. Il gagne pitié et il guérit tous les bonnes maladies. Léa commence à faire noir, mon disciple vient en Zézi et je dis à lui. Pena n'en est dans cet endroit-là et il désattend. Dis à la foule aller. Comme ça, je t'avais capable à l'aster manger dans le village. Mais Jésus répond, pas nécessaire, je t'allais. Donne maintenant manger, je t'aime. Je dis, il y en a 5 10 pains et 2 poissons. Il dit, je amène 10 pains et poissons là. Il ordonne la foule assise en bas de l'herbe. Léa, il prend sa 5 10 pains là et sa 2 poissons là. Il lève ce lisier au ciel et il bénit eux. Après ça, il casse 10 pains, il donne aux man disciples. Et man disciples fait la partage à la foule. Tout du monde finit manger ventre plein. Et là, je ramasse 12 paniers remplis à bout de 10 pains. Il y en a environ 5000 hommes qui finent manger, sans compter bonnes femmes et bonnes enfants. À nous acclame, parole bon Dieu. Chante ensemble l'Alléluia de l'Esprit dans nous les cœurs. Nous allons à présent écouter l'homélie qui sera prononcée par Monseigneur l'évêque, Monseigneur Maurice Cardinal Piat, jubilaire en ce dimanche 2 août. Jour mon ordination épiscopale, petit cause, l'évêque. Comme qui dirait, il y a un chef d'orchestre, il n'y a pas un homme orchestre. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à faire tout quelque chose, il est capable juste de diriger l'orchestre-là. Mais tu dis ça parce que Jésus lui-même, il fait une compare l'évangile avec la musique. La musique qui lui-même lui jouait sur la place du marché et qui lui invite ben du monde danse dans sa musique-là. Ça veut dire, rentre dans la musique-là, suivre ce rythme.
Jésus invite tout le monde prêt à jouer la musique de l'évangile aujourd'hui. Mais ça, la musique là, c'est pas une la musique vantard, ça. Comment dire, nous meilleurs que les autres, nous tous celles qui connaissent jouer. C'est une la musique de miséricorde. Une la musique qui rappelle nous, qui nous fait nous recevoir, qui quand Jésus appelle nous, il appelle nous parce qu'il nous plie bon que les autres. Il appelle nous comment nous étions avec nos faiblesses, avec nos péchés. Et il pardonne nous, il refait nous confiance. Et il appelle nous, pas mettre nous au pied coco, mais pour nous dire les autres, autres aussi, les autres capables de gagner sa miséricorde là. Les autres aussi, ça pour les autres, ça, pas pour nous tout seuls. Nous tous nous appeler. Nous tous, nous avons un rôle. Nous tous, nous sommes aimés avec une grande, grande tendresse. Alors, les amis, Jésus, il appelle mon père, jouer ça la musique là. Mais il m'appelle juste mon père, juste l'évêque pour jouer la musique. Il appelle tout le monde. Ben ma soeur, bien sûr. Ben laïc, ben papa, ben mère de famille, père de famille, ben jeune, ben enfants. Ils sont tous capables de jouer la musique. Ils sont tous capables de danser l'or là. Oui, pas vrai. Alors, nous remercions mon Dieu, parce que c'est la musique de l'évangile là, elle est tellement jolie, elle est tellement entraînant, qui besoin à beaucoup de monde, qui joue, qui danse l'or là, pour nous capables d'entendre, gagner ce goût, content suivre. Alors, comme vous connaissez, nous petit prends ça, je joue mon ordination, mais Père, si tu l'évanes aussi, nous content ça, refrain là. Je vous demande, sans ce refrain là pour nous un coup. J'ai joué de la flûte sur la place du marché et personne avec moi n'a voulu danser. J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Toi qui m'as entendu, viendras-tu danser avec nous? J'ai joué de la flûte sur la place du marché et personne avec moi n'a voulu danser. J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Toi qui m'as entendu, viendras-tu danser? Alors, nous avons posé une question, mais quelle qualité de la musique ça a été? Alors, pour nous capables de découvrir ça, nous avons écouté la musique très profondément. Alors, moi, invite les autres à nous écouter la musique de ce passage de l'évangile nous fait tendre là, il fait proclamer l'évangile de la multiplication des pains. Il y a beaucoup de notes là-dedans, mais moi je peux souligner trois notes principales. Première note, c'est Jésus voit la foule et il prend pitié pour les autres. Jésus ne regarde la foule comme un touriste. Qu'est-ce que la foule là, comme on les a dit? T'es pas qu'est-ce que la foule là, comme un dimon fier qui vient attirer la foule? Non. Il contemplait la foule avec une grande tendresse, un peu comme une maman ou un papa, contempler ce petit. Maman, papa connaît que ce petit n'est pas parfait, qu'il a ce défaut. Mais c'est son petit, ça. Son petit, il est disposé de donner la vie pour lui. Oui, pas vrai. Alors, Jésus aussi, il contemple nous comme un enfant, bon Dieu, son papa. Il trouve nos faiblesses, il trouve nos défauts, bien sûr. Mais, il connaît aussi qu'il en a un potentiel et il fait à nous confiance. Alors, ce regard-là, le regard de Jésus, il contemplait pas juste nous, mais le travail de l'Esprit-Saint en nous, qui peut faire ce travail pour transformer nous, pour faire nous capables de jouer ça de la musique-là, faire nous gagner un rôle. Et alors,
les contemplez-nous avec une grande patience, avec un grand espoir. Et Jésus, en même temps, les trouver, qui s'abandonne du monde, qui les content là, les dire lui-même, vous êtes comment ban brebis sans berger. Alors la réflexion que Jésus se fait quand il regarde la foule. Qui ça va une brebis sans berger? Une brebis sans berger, ça veut dire une brebis qui est perdue dans le bois. Tu ne pas connaître où tu peux aller. Tu n'as pas une direction dans la vie. Une rejetée. Personne ne peut prendre les comptes. Comment dire, les trouver, tu peux un rôle. Jésus trouve ça. Il trouvait qui ça va du monde là peut souffrir beaucoup. Parce qu'ils ont une personne. Pour indiquer zot, qu'il y en a quiquen qui compte en zot, qu'il y en a quiquen qui peut appeler zot. Alors aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de regarder la foule des jeunes qui, comment dire, sont perdus, sont beaucoup peinés à travail, beaucoup ont une difficulté dans notre famille, ils nous abandonnent notre famille, ils dorment au chemin. Ben SDF, ben n'avait dit à moi, de plus en plus, vous devenez plus jeune. Qui fait cette vie-là? Il y en a qui gagnent travail, mais il n'y a aucune la case pour vous rester. Il n'y a personne pour accueillir les autres. Nous sommes capables de penser aussi à ben, une famille. Des familles qui, comment dire, perdues, mais ont gagné l'occasion de tendre. Ben parents de toxicomanes. Une souffrance terrible qui sort dans eux. Comment dire, eux n'ont plus connu ce qu'ils sont capables de faire. Parce que ce sont des enfants là, pour gagner un casse-poil, acheter la drogue, ils sont disposés pour craser tout, pour vendre tout. Et bien, les parents n'ont plus connu ce qu'ils sont capables de faire. Donc, je pense aussi à une personne qui aujourd'hui, une perte de travail, ou bien son salaire a diminué beaucoup. Nous avons un père pour encore un père du travail. Nous tout connaissons. Nous avons des camarades, une famille peut-être là-dedans. C'est aussi, comment dire, perdu, comme des brebis sans berger. Nous pensons à un malade qui va un peu seul. Nous pensons aussi à un frère et soeur prisonnier qui, de temps en temps, ont gagné de la joie de le rencontrer dans la prison. C'est aussi, c'est un père d'un berger. C'est comme une brebis sans berger. Alors, quand Jésus trouve, quand sa regard-là repose sur la foule, il contemple en même temps la beauté des enfants de Dieu et en même temps leur détresse. Et qui dit faire, il trouve ça. Mais avant, il décide quoi que ce soit qu'il a pour faire. Ça va nous apporter de interrompre sa méditation. Imaginez un coup, Jésus est tranquille, puis guette sur la foule là. Pas de dire, Dieu, allez, pas trouver, fait tard là, pas trouver, fait tard là, nous pas gagner casse-pied dans notre manger, Dieu, allez. On me sentit ça, une passe un peu comme ça. Jésus finit interrompu dans sa méditation. Qui fait? Ben nous apporter, quand je trouve la foule, je trouve un problème. Jésus, quand il guette la foule, il trouve un démon, un enfant de Dieu qui a une dignité. Alors, d'après le regard qui nous a alors les autres, ça vous déclenche une autre qualité, réaction. La foule, ce n'est pas un problème. C'est un frère, une sœur. Alors, Jésus, qu'il fait? Ben, là, Dieu, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas de moyens pour nous. Jésus dit, je ne vais pas demander à l'autre un camion du pain, amen là. Pas ça qui me demande. Nous ne sommes pas là pour résoudre le problème du monde. Mais Jésus dit aux autres, fais autre chose dans l'herbe, allez rencontrer les autres, cause avec les autres, écoute les autres, viens camarade. Tout le monde qui fait ça. Te dis-moi qu'on peut accueillir, écouter et soutenir un camarade.
mon Dieu traite zot comment dire ban compagnie par un problème. Après il dit aux autres, t'as pas gagné du pain, mais partage ce qu'ils ont là. Vous connaissez t'as pas gagné assez, mais ce qu'ils ont là, partagez. Facile ça, partage ce qu'ils ont là. Et alors, ça, on ne peut pas étonner. Jésus prend ce cinq du pain là, il rend grâce. Ça veut dire devant la foule 5000 du monde, on a 5 du pain. Ou tu as la tendance pour plaigner, non? Qui du monde pour faire? Qui c'est là pour manger? Moi. Et Jésus, lui, il rend grâce. Bon Dieu, donne-nous 5 du pain. Partage ce que bon Dieu donne-toi. Partagez. Et Jésus lui-même, il donne ça avec ce manzapote. Il dit, manzapote, à le partager. Tu vas partager lui-même. Donner, à le partager. Moi, aussi posé. Comment ça va, tu peux causer avec un groupe là, toi tu devais te dire donner, partager. Et dans un miracle là qui finit d'arriver, pas juste du pain qui finit de multiplier, mais c'est le partage qui s'est multiplié. Le partage. Comment nous dire aujourd'hui, ce qui peut sauver du monde qui est dans la misère, ce n'est pas une solidarité verticale. Moi, me donne toi, tu n'es qu'un là pour prendre. Allez. Ça s'appelle ça la solidarité verticale. Nous avons une solidarité horizontale. Quand chacun en a quelque chose pour recevoir, et chacun en a quelque chose pour donner. Même si Tigin, mon monsieur Marjo, tu es content de dire, personne n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir. Et personne n'est trop pauvre qui ne peut pas rien pour donner. Chacun en a de quoi donner et il a besoin de recevoir. Ça, c'est la deuxième note. La troisième note maintenant qui nous tendait. Jésus lui a insisté pour donner autres manger autres mêmes. Et les temps où il y a ça, me rappelle que après sa résurrection, quand Jésus joint Saint-Pierre pour la dernière fois dans le bord du lac, quand il dit à Saint-Pierre, est-ce qu'il te compte en moi? Qu'il lui dit après ça, paie mes brebis, ça veut dire nourris mon bon brebis. Trois fois Jésus dit ça. Dernière parole qu'il lui dit avec Saint-Pierre, nourris mon bon brebis. Qui fait à Jésus insister pour nourrir ce bon brebis? Il dit, donne-nous, mangez-nous même, nourris mon bon brebis. Donc, il pose une question, qui Jésus peut dire à nous? Comment nourrir ces brebis? Qui est quelque chose qui est nourrissant pour les brebis? Alors, pour, comment dire, donne-nous un certain éclairage, alors là, Jésus ajoute quelque chose à Pierre après sa résurrection. Il dit à Pierre comme ça, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu deviendras vieux, un autre te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas aller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'évangéliste Saint Jean lui-même lui a ajouté, il dit, Jésus voulait dire par là de quelle mort avec de quel genre de mort Pierre devait glorifier le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Ça te connaît un moment bien important dans la vie de Pierre et dans la vie de n'importe quel prêtre, ça. Pierre tient bon du monde. Pierre tient enthousiasmé par Jésus. Il dit content trouve Jésus. Il dit content suivre lui. Il dit trouve Jésus peut attirer des foules. J'y trouve Jésus fait un miracle, donne jolie qualité de l'enseignement. J'y trouve Jésus déboute devant sa l'autorité qui tient un peu contre les pauvres et prend cette part et puis réussit faire un chemin. Il dit content suivre Jésus. Il dit ça, c'est un vrai leader ça. Ça, du monde là, lui-même pour nous sauver là. Et il peut penser qu'il faut mettre ce romain là qui n'est pas content, mettre ça dehors et faire un juif, mettre dans notre propre pays.
Voilà ce qui Saint-Pierre peut penser. Et puis, Jésus est arrêté, Jésus est condamné, Jésus est crucifié, est mort. Et Pierre est perdu. Il est perdu. Il n'a plus connu qui l'a mis à croire, qui l'a mis à faire. Il n'est pas connu. Il est vraiment dans, il est embrouillé. Alors, c'est bien gagné sur la vie, pauvre diable. Il retourne faire seul travail qu'il connaît faire, la pêche, il y a la pêche dans le bord de la mer. Il vient gagner sur la vie pour nourrir ses femmes, ses enfants. Et c'est là que Jésus va le chercher une deuxième fois. Pareil comme la première fois, Jésus avait été le chercher dans le bord de la mer, deuxième fois pareil. Et là, Jésus lui dit, tu sais, quand tu étais jeune, tu étais content de voir toutes ces belles choses qu'on faisait ensemble. Mais Tobizien rappelle une petite chose. Ce n'est pas des grands événements spectaculaires, mais une grande action d'éclat qui peut nourrir la foule. Non. Ce n'est pas, comment dire, casser un grand paquet qui peut nourrir la foule. C'est quoi alors? C'est quand je trouve un du monde content aux autres. Content, mettre-lui au service et servir jusqu'à donner sa vie. Ça et ça seulement. Même si c'est tranquille dans un coin, personne ne va plus prendre en compte, tu n'as pas gagné première place dans la télévision, dans la gazette, tout ça là. Mais c'est ça qui va nourrir la foule, qui va leur montrer qu'ils sont aimés, qui va leur montrer qu'ils comptent pour quelqu'un et que ce quelqu'un-là leur fait confiance. Malgré toute bêtise qu'ils sont capables de faire, ou fais-toi confiance. Tu es capable, toi aussi, jouer cette musique-là. Tu es capable, toi aussi, donne-toi la vie au service des autres. C'est ça la grande beauté de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous a aimés à la folie, d'un Dieu qui s'est fait proche de nous, qui a partagé notre vie et nos souffrances, mais qui s'est mis à notre service humblement jusqu'à donner sa vie. Le pape François nous dit, écoute ça bien, il dit, avec l'Évangile, ça veut dire l'Évangile du service jusqu'à donner sa vie, avec l'Évangile, nous sommes dépositaires d'un trésor qui humanise, qui fait à nous vivre plus humain, qui aide nous à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres que la bonne nouvelle, celle du service qui va jusqu'à donner sa vie. Il n'y a rien de mieux à transmettre. C'est ça la musique de l'Évangile. C'est ça la musique sur laquelle nous sommes invités à danser. C'est cela. Et le pape continue, il dit, parfois, nous perdons l'enthousiasme pour la mission parce que nous oublions que cet Évangile-là, l'Évangile du service qui va jusqu'à donner sa vie, que cet Évangile-là répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce que nous avons été créés pour l'Évangile. Nous avons été créés pour être aimés, pour aimer à notre tour. Nous avons été créés pour donner notre vie. Alors, Jésus, le pape François nous dit, nous disposons d'un trésor de vie et d'amour qui ne peut pas tromper. Un message qui ne peut pas, qui ne manipule pas, qui ne déçoit pas, d'une vérité qui ne se démode pas parce qu'elle répond aux attentes les plus profondes des personnes. Alors, je vous invite, chers frères et sœurs, de prier pour qu'aujourd'hui, dans notre pays, des jeunes Mauriciens répondent avec élan, avec enthousiasme à l'appel que Jésus leur fait, à l'invitation d'annoncer cet évangile, un évangile, l'évangile du service, jusqu'à donner sa vie. Non pas un évangile théorique, mais un évangile vécu avec joie,
un évangile qui résonne comme une musique entraînante, une musique qui nous rend heureux, qui nous met ensemble et qui résonne ce que nous attendons tous, ce que nous cherchons tous, c'est que quelqu'un prenne compte de nous et quelqu'un soit disposé à donner sa vie pour nous. Prions pour que des jeunes découvrent ce bonheur-là et que quand ils l'auront découvert eux-mêmes dans leur vocation de prêtre, ils puissent le partager avec vous, afin que chacun, père de famille, mère de famille, jeune, enfant, homme, femme, religieux, religieuse, tous, nous puissions danser sur cette musique. Reprenons le refrain que Gérard a chanté pour entendre cette invitation qu'il nous fait. Et toi, voudras-tu danser? J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Personne avec moi n'a voulu danser. J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Toi qui m'as entendu, viendras-tu danser? Encore une fois. J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Et personne avec moi n'a voulu danser. J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Toi qui m'as entendu, viendras-tu danser? Voilà, après cette belle homélie de Mgr Piat, rythmée par cette musique de l'Évangile, nous poursuivons la messe. Nous allons maintenant proclamer notre foi, notre confiance en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Présentons maintenant à Dieu, notre Papa, toute bonne intention de prière qui monte dans nous les cœurs en ce jour d'action de grâce pour les prêtres qui ont été appelés, en ce jour de prière pour les vocations, et en ce jour d'action de grâce aussi pour toutes les personnes qui ont été appelées, les religieuses. Je pense à Sœur Assumpta qui fête aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ces jours-ci, 70e anniversaire de profession religieuse. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Thank you.
En cette étape de déconfinement, beaucoup de nos frères et sœurs travaillent pour aider ceux qui sont dans des grandes difficultés psychologiques, financières et sociales. Que notre Église et ceux qui dirigent notre société œuvrent ensemble pour chercher à soulager ces souffrances afin de bâtir un monde de paix. Prions le Seigneur. Donne ze demander zut même pour tout banzen qui peut écouter l'appel bon Dieu pour servir lui comme un prêtre religieux et religieuse qui se prend le temps pour goûter ce parole pour capable répondre lui et donne lui toute la vie pour ce royaume. Seigneur, nous prions toi aussi pour Patrick Polido qui peut odendiac zodi même au Sénégal. Prions le Seigneur. Donnez-le vous-même à manger. Tous les baptisés sont appelés à vivre pleinement leur vocation baptismale. Que les familles, berceaux des vocations, prennent le temps de prier et de célébrer ensemble pour faire grandir la foi dans le cœur de leurs enfants, afin qu'ils choisissent le chemin qui mène à la vie. Prions le Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Nos jubilaires ont semé la parole en abondance autour d'eux. Seigneur, qu'ils continuent à t'écouter fidèlement afin de répondre aux nouveaux besoins de notre société et de notre Église. Accorde-leur le bonheur et santé pour rester fidèles à leurs engagements. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, toutes ces prières que nous avons entendues, mais aussi toutes les prières qui montent en silence du fond du cœur de chaque personne qui est ici cet après-midi. Accorde à chacun ce qu'il te demande, chacun ce qu'il lui faut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sa dit pain qui dans nous la met, qui nous présente l'eau l'hôtel, sans même fruit nous travail, tout pour faire divine tous les cours. Nous sommes en train de suivre la Sainte Messe à l'occasion de la fête des vocations. Nous voyons arriver les offrandes qui seront consacrées, deviendront corps et sang du Christ au Seigneur. Et ce sont les proches, les familles des jubilaires qui apportent les offrandes, un peu comme
la famille l'ont fait, ont donné l'un des leurs pour être prêtre. Prions aussi en pensée, rendons grâce pour toutes ces familles berceaux de vocation qui ont donné des religieuses, des laïcs aussi, au service, qui invitent leurs frères et sœurs à danser sur la musique de l'Évangile. Nous pouvons aussi déposer à l'autel avec les offrandes ce que nous avons dans le cœur, nos joies, nos peines, nos préoccupations, surtout en ce temps troublé, ces temps troublés. Confions notre pays, qui le dirige, le peuple mauricien, Rodrigue, Agadega, tous les enfants de la République de Maurice. C'est la préparation des dons, la liturgie eucharistique que nous allons prier ensemble. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut tout le monde. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui du peuple, aide-les par la grâce de cette Eucharistie à t'offrir en sacrifice, à t'offrir le sacrifice que tu attends des hommes et à faire grandir ainsi le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés, des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Thank you.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les confrères prêtres qui sont décédés, pour nos parents et nos proches qui nous ont quittés, mais aussi pour tous les hommes et toutes les femmes de toute race, de toute religion qui ont quitté cette vie. Père, toi seul connais leur droiture. Reçois-les dans ton royaume, là où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Dans un même esprit, nous allons chanter ensemble cette grande prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques,
à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à nos divisions et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. Là où nous sommes, pouvons-nous aussi nous échanger un geste de paix avec la pandémie, bien évidemment, respecter les gestes barrières, mais la paix n'a pas de frontières, aucune barrière pour la paix. Rappelons-nous justement le Christ qui, au contact de la foule, disait ceci: « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Prions pour la paix. » Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Merci d'être avec nous sur la MBC-TV. Nous sommes cet après-midi du 2 août dans les jardins du Tabor pour vivre cette célébration pas comme les autres, parce qu'elle est le premier rassemblement que nous tenons depuis le déconfinement. Quel bonheur d'être en église. Célébration aussi des quatre prêtre jubilaire, cardinal Maurice Piat, le père Gérard Sullivan, qui fête aujourd'hui leur 50 ans de prêtrise. Et puis, comme vous le savez, il y a aussi Eddie Kusnapen, ainsi que Silvio Lodoeska, qui vont donc célébrer leurs 25 ans dans les jours prochains. Et le thème de cette célébration aujourd'hui, c'est rendre grâce pour les jubilaires. Prions pour les nouvelles vocations. Donnons-leur, donnez-leur vous-même à manger, comme le Père Sullivan le fait avec les membres de sa famille, ses proches. Leur donner le corps du Christ. C'est cela, justement, notre mission, la mission des prêtres. Ils sont appelés à être médiateurs entre Dieu et les hommes. Nous célébrons justement ces hommes, ces femmes de Dieu. Comme le Christ se rompe, se donne sur la croix, se donne en nourriture, c'est ce que nous célébrons. Messe, nous allons justement continuer cette messe dans la communion. Là où vous ne pouvez pas recevoir cette communion, mais disons simplement Christ, comme on l'a fait pendant la pandémie, en suivant les messes en ligne. Seigneur, j'aimerais tellement te recevoir. Viens siéger en mon cœur. Je t'aime. Sois présent dans mon cœur. De Samarie et de plus loin encore. Mmh.
Je rappelle aussi que cette fête des vocations, elle est aussi faite pour les vocations futures. Nous sommes en train de préparer justement à l'envoi de 4 séminaristes mauriciens en formation. Le diocèse a pour tradition depuis plus de 38 ans de solliciter les fidèles. Avec leur contribution, nous formons les séminaristes, former leur esprit et leur cœur pour être des prêtres selon Jésus-Christ, le prêtre par excellence. Vous n'avez pas suivi cette homélie, Monseigneur Maurice Piat, le cardinal, eh bien, il a beaucoup parlé de la musique de l'Évangile, la musique de la miséricorde. La miséricorde, c'est le cœur même, c'est le visage de Dieu, le visage de la miséricorde du Père. Nous sommes appelés à courir les foules, non seulement avec matériel, mais aussi avec bien dans notre cœur. Ce qui vient du cœur de Dieu. Tu nourris tous ceux qui ont faim de ta parole et de ton pain. Cette exhortation du pape François, derrière toute vocation au sacerdoce, où la vie consacrée et avant elle,
il y a toujours la prière forte et intense de quelqu'un. Une grand-mère d'un grand-père, une mère d'un père, une communauté. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez le maître de la moisson, c'est-à-dire le Père, d'envoyer l'ouvrier à sa mission. Les vocations naissent dans la prière et de la prière, elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. Le pape François. Vini, je te vais goûter, vini, je te vais trouver, comment nous bon Dieu dit bon. Vini, avec je te fort d'eau, vous goûtiez à je dans un cachot. Beaucoup de fidèles se sont déplacés en ce dimanche à l'appel du diocèse de Port-Louis. Venez, vous verrez, nous dit le Seigneur. Venez, je vais goûter comment le bon Dieu est bon. Garde un temps de silence, de recueillement. Au fond de nous, dans nous les cœurs, nous continuons à rendre grâce, dire merci, Seigneur, pour tout ce qu'il y fait pour nous. Surtout pour ce l'amour, ce miséricorde qu'il y nourrit nous aujourd'hui encore avec ce parole, avec ce dit pain.
prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, la nourriture du ciel. Nous te disons merci et nous te prions encore. Que ce sacrement de l'amour travaille les semences répandues largement dans le champ de ton Église et fasse lever parmi nous des hommes qui choisiront de vivre pour toi en vivant au service de leurs frères et sœurs. Te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je ne sais qu'à part assiger. La fidélité du Seigneur envers nos jubilaires est immense. Et c'est la bienveillance du Seigneur qui finit toujours là, qui veille leurs œufs, qui finit permet de tiner à travers les joies, les peines, à travers le réconfort, mais aussi les épreuves. Nous allons rendre grâce pour cette bienveillance du Seigneur pour nos jubilaires et pour chacun aussi d'entre nous. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, et sous ton aile.
J'ai beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de raisons de rendre grâce aujourd'hui. En mon nom et au nom de mes confrères qui sont là, qui ont célébré avec moi, le Monseigneur qui a célébré avec moi, nous avons 50 ans, nous avons été ordonnés le même jour. J'entre aujourd'hui dans ma 80e année. C'est magnifique. Aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui ai choisi la date de mon anniversaire, il y a 50 ans, un dimanche, c'est mon évêque. Déjà, il pouvait faire prendre certaines directives, il les a prises. C'est avec lui qu'on a choisi la date de mon anniversaire comme date d'ordination. Et puis, il y a Silvio, il y a Eddy qui sont là, et tous ceux qui fêtent ces jours-ci un grand moment de la sacerdoce. Un grand merci au Seigneur qui nous a fait confiance. Parce que c'est sûr que nous ne serions pas là aujourd'hui s'il ne nous avait pas fait confiance. Et comme je disais tout à l'heure à certains amis, je commence à croire que j'étais fait pour être prêtre. Et je crois qu'ils peuvent dire aussi comme moi la même chose. Parce que c'est bâti non pas sur ma propre volonté, sur mes élans spirituels à moi tout seul, ou mon énergie que je pourrais défendre et dépenser, c'est sur la confiance que le Seigneur un jour a pu me faire. Et j'ai mis du temps à lui répondre, beaucoup de résistance, nous avons tous pu témoigner de cela, mais une fois qu'on lui a fait confiance, qu'on lui rend la confiance qu'il nous fait, il continue de mettre sur notre route des gens qui continuent de nous faire confiance. Alors, vous qui êtes là, vous avez certainement été témoin, vous avez participé à cette confiance, à cette longue expérience spirituelle et de confiance, et aujourd'hui, je dis grand merci au Seigneur, qui m'a fait confiance, qui me fait confiance, qui a fait confiance à tous mes frères qui célèbrent leur jubilé avec moi et qui a exprimé cette confiance-là à travers vous. Vous qui nous avez fait confiance envers et contre tout, dans les moments difficiles, dans les moments de peine, dans les moments de bagarre, dans les moments de joie. Merci à tout ça et encore une fois, merci à vous d'être là après tout ce temps de confinement. Nous pouvons continuer encore de nous réjouir. Je sais bien qu'avec les jubilaires qui sont là, nous avons encore un long programme de festivités à venir. Et ça ne me déplaît pas du tout. Non pas que je suis un fanatique des fêtes, mais moi je veux servir ce Dieu qui un jour a dit, justement, c'est pour ça que j'ai choisi cette fameuse phrase de la chanson avec la flûte, ce Seigneur qu'on a traité parce qu'il aimait la fête, parce que c'était un Dieu de la joie, parce qu'il voulait être nourriture et boisson, pas seulement manger et boire, mais être lui-même nourriture et boisson, on l'a traité de soulard et de glouton. Alors ce Dieu-là, ce Dieu de la fête-là, je l'aime bien, je l'ai servi depuis 50 ans avec mes confrères prêtres, et je lui dis merci, et je vous dis merci d'être mes compagnons de route. Merci à tous. Happy birthday to you. Amen, gâteau, hein? Ça donne si je m'en là, hein? Alors, je vais inviter les jubilaires à venir ici, tous les quatre. Monseigneur, Gérard, Silvio, Eddy, je vais inviter les confrères à se lever et nous allons les bénir. Nous, tous nous carabénir, bénir, nous pouvons mettre nous la main, leurs yeux, comme ça. Et nous vous chantons, may God bless you. 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 Bravo. Alors, qui dit anniversaire, non pas gâteau, cadeau, il y a des cadeaux. Alors ces cadeaux vont être remis par ces jeunes qui sont là, restez là même. Alors je vais inviter aux jeunes, la jeune génération, à venir offrir ces cadeaux à ces jubilaires. David, Jean-Luc,
Géraldo. Théo. Et David. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi de Géraldo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Géraldo. Happy birthday to you. Alors, il y aura maintenant transmission. Nos jubilaires, vous avez reçu Monseigneur Ndiassa dans ce Lomeli, recevoir mais nous donner. Et maintenant, à vous maintenant de donner à ces jeunes qui sont là, donc quelque chose de précieux, la nourriture de la parole de Dieu. Alors, qui vous donne maintenant à ces jeunes qui vont bientôt partir au séminaire. Allez-y. Mon vie dit à toi, merci, merci Seigneur. Santé danser, prier, santé grandeur. Nous sommes ensemble, toute la vie, santé pour toi. Mon vie dit à toi. Société biblique qui diffuse la parole de Dieu dans notre pays, dans le monde entier, va maintenant offrir un cadeau à Monseigneur. Vous allez dire un petit mot, expliquer le tableau. C'est une pensée très chère du cardinal Avance en plein nous, qu'il n'a pas cessé de répéter, de continuer de répéter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, en gros cadeau, bien sûr. Hein. 150 ans, là. Hein. Voilà. La parole de Dieu, traduite en créole. La Bible qui est notre nourriture. Nous sommes en gros ce refrain-là. Mon vie dit à toi, merci. Mon vie dit à toi, merci. Merci Seigneur, sans dénoncer, prier, sans te grandir, tu me la vie sans vie. Pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui te sauver. Nous arrivons au moment de l'envoi, après ces émotions, ces jubilés. À présent, un moment très fort aussi de cette messe au moment de l'envoi. Notre évêque va maintenant envoyer les séminaristes, ils vont partir bientôt en études. Alors, nous nous recueillons. Alors, je suis heureux
d'envoyer David à Rome, au collège Béda, Jean-Luc à Nantes, pour commencer son premier cycle, et Géraldo et Thierry, Théo à Orléans pour faire le propédeutique. C'est dans la confiance dans l'Esprit Saint qui les anime et qui les envoie que nous voulons maintenant chanter pour eux et rendre grâce au Seigneur. Mon vie dit à toi, merci. Merci Seigneur, santé dans ses prières, sans te grandeur, double la vie, santé. Pour toi Seigneur, parce qu'il c'est toi Seigneur, qui me sauverait. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pablier, qui nous vient donc. Nous n'en voyons, Monseigneur, n'en voyons ces séminaristes, c'est dans 7 séminaristes qui en étude à Rome, en France, et nous connaît qui besoin participe dans les finances de ces études. Alors, Norman Cote, qui déjà dans les paroisses, n'hésitez pas vraiment à soutenir financièrement donc ces séminaristes. Alors, avant qu'ils nous allaient, nous vraiment souhaitons tout un bon après-midi et une bonne semaine. Et nous continuons à louer, chanter, que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette magnifique célébration. On ne veut pas que ça se termine, mais c'est comme ça. Nous continuons la fête là où nous sommes. Une célébration aujourd'hui au cours de laquelle nous avons rendu grâce et prié pour de nouvelles vocations, rendu grâce pour les jubilaires sur ces images des prêtres qui descendent vers la foule. Rappelons-nous cette exhortation du Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Puissions-nous être nourriture, frères, avec celles et ceux qui sont dans l'attente d'être aimés. Nous sommes appelés à les servir. Un merci spécial à la MBC et à CACPAV pour leur fidèle collaboration. La fête des vocations continue sur les plateformes digitales du diocèse de Port-Louis, pastoralzem.org, diocèse de Port-Louis, la vie catholique, coucou à mon église pour revivre cette journée et soutenir les vocations. C'était Rodney au micro. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau direct avec l'église catholique. À très bientôt.